Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite démonstration avec la Cricut Maker et qui concerne la découpe de cuir. Alors comme vous le savez, votre Cricut Maker va vous permettre de découper du cuir jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Vous allez donc pouvoir découper tout ce que vous souhaitez pour réaliser des sacs, des pochettes, des boucles d'oreilles, peu importe, libre cours à votre imagination. Alors aujourd'hui, on va découvrir comment faire à travers ces petites pochettes que je vous montre de plus près. Il s'agit du patron de la pochette Adaline qui va me permettre de vous montrer qu'il est très facile de découper des pièces de patron dans du cuir avec votre Cricut Maker. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a 4 cuirs complètement différents qui vont aller du cuir à tannage végétal de 0,8 mm à quasiment 2 mm d'épaisseur. Et il y a également sur la droite des cuirs métallisés de chez Décocuir qui sont très très sympas et dont l'épaisseur doit être d'environ 1 ou entre 1 et 1,5 mm. Donc vous voyez, très facile à découper avec la Cricut Maker, ça va vraiment vous permettre de réaliser des superbes pièces en cuir. Donc on découvre ça tout de suite ensemble avec la Cricut Maker et la lame spécifique pour le cuir qui est la lame couteau. À tout de suite. Alors la première chose à faire pour découper du cuir est de trouver une pièce à découper. Alors ça peut être un patron de couture, ça peut être un motif pour faire des boucles d'oreilles, enfin bon bref, peu importe ce que vous voulez. En tout cas, dans votre Cricut Design Space, vous allez devoir soit chercher un projet déjà prêt, soit en importer un de vous-même. Alors pour ce projet, j'ai décidé de découper le patron de la pochette Adaline, qui est un de mes patrons de couture. Donc, je clique sur le patron, je fais personnaliser. Voilà, donc le patron est déjà tout prêt. Donc là, vous pouvez voir les lignes de découpe sur tout le pourtour de la pièce. En pointillé, ça va être les lignes de rainage. Alors, qu'est-ce que c'est que le rainage? C'est tout simplement un des outils Cricut qui va permettre de marquer le cuir à certains emplacements pour pouvoir préformer les plis de ma pochette. Et enfin, vous avez les 4 petits ronds que vous voyez ici, qui sont les emplacements où je vais devoir percer des trous pour mettre mon bouton de colle pour fermer la pochette. Donc, je clique sur Créer. Donc voici mon projet qui apparaît sur mon tapis de coupe. Alors ça, là, c'est un projet qui est plus grand qu'un tapis de coupe standard. Donc je dois utiliser un grand tapis de découpe. Je vais le décaler un tout petit peu. Voilà. Je clique sur Continuer. Ici, le logiciel me dit de configurer mon matériau de base. Donc, je vais aller chercher du cuir et je vais choisir donc le cuir qui m'intéresse. Alors, idem pour vous, vous choisissez en fonction de votre cuir et de son épaisseur le cuir qui vous intéresse. Donc, je choisis le mien, je clique sur Terminer. Alors, les chargements des outils et du matériel. Donc ici, le logiciel me dit que je vais devoir charger le stylo dans la mâchoire A pour marquer l'emplacement des trous pour mes boutons de colle. Je dois ensuite charger la roue de rainage dans la mâchoire B. Puis je dois insérer mon tapis de découpe pour commencer le travail. Alors on voit qu'il y aura une étape à suivre ici. C'est tout simplement la découpe de ma pièce de patron. Donc je devrais remplacer la roue de rainage par la lame de couteau dans la mâchoire B pour effectuer la découpe. Voilà, donc on peut passer au travail. Alors pour découper du cuir, vous allez avoir besoin du tapis Strong Grip, le tapis violet. C'est celui qui est conçu véritablement pour les matières comme le cuir et autres matières très épaisses et rigides.
Ensuite, vous allez avoir besoin de la lame couteau. Alors, la lame couteau, elle n'est pas comprise avec la machine. C'est un outil en option et il s'agit de cette lame. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis ma pièce de cuir directement sur mon tapis. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis côté endroit du cuir contre le tapis, tout simplement parce que en fait la face envers du cuir va laisser plein de petits résidus sur le tapis de coupe et c'est pénible à nettoyer après. Alors il existe une solution pour parer à cela. Vous pouvez très bien mettre du transfer tape. Transfer tape, si vous connaissez, c'est un produit de chez Cricut aussi, qui va vous permettre tout simplement de coller votre pièce de cuir dans le bon sens sur le transfer tape et de coller ensuite le transfer tape avec votre pièce de cuir dessus sur le tapis. Ça va permettre tout simplement de protéger votre tapis. Ensuite, une chose importante, pour bien maintenir en place votre pièce de cuir, vous allez pouvoir mettre des bandes de masking tape tout autour de votre pièce, ça va permettre de vraiment bien la maintenir en place pendant le travail de découpe. Ensuite, donc votre maker. Une chose importante également, c'est de mettre sur le côté les petites rondelles qui entraînent le tapis et le tissu, tout simplement parce qu'avec des matériaux épais comme le cuir, ça risque tout simplement de laisser des traces sur votre matériau et ce serait pas terrible. Donc ensuite, vous insérez votre tapis en cliquant sur le bouton. Le logiciel me demande de mettre le crayon dans la mâchoire A pour marquer l'emplacement des trous de mes boutons de colle. Donc je l'ai inséré. Il me demande de mettre la roue de rainage dans la mâchoire B, donc je retire ma lame couteau pour le moment et je vais insérer ma roue de rainage. Et ensuite, je peux appuyer sur le petit bouton Cricut pour lancer. Si je mets pas l'embout, forcément, ça ne va pas fonctionner. C'est parti. Donc le logiciel a terminé avec le marquage du crayon ainsi qu'avec le rainage. Je peux donc maintenant mettre ma lame de couteau comme le demande le logiciel. Et je relance. Voilà, la découpe, le rainage et le maquage sont terminés. On va donc pouvoir décharger le tapis et on va pouvoir retirer notre pièce de patron du tapis. Alors, on va d'abord retirer
le masking tape. Voilà, on découvre la pièce de patron. Ça a été parfaitement découpé. Je peux retirer ma pièce de cuir. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. C'est vraiment top, précis. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire mes petits trous pour mes boutons de colle et former ma pochette.